À l'avant. Repos. Messieurs, à partir de maintenant, nous sommes exposés au danger. Pour le commandant Baxter et moi-même, c'est la dernière campagne d'une carrière qui remonte à l'offensive du Tête en 68. De même, le capitaine Hendrix et le sergent artilleur Crisp se sont fait les dents sous mon commandement pendant la guerre du Golfe. Capitaine Fry et capitaine Darrow, c'est la première situation opérationnelle que je partage avec vous. Vos actes semblent à la hauteur de votre réputation. Merci, mon général. Merci, mon général. Nous avons conquis cette position par audace, volonté et précision. Il faut à présent nous montrer intraitables. Nous serons accusés de trahison, le crime le plus grave, passible de la peine de mort. Il y a à peu près 200 ans, des gens qui s'appelaient Washington, Jefferson et Adams furent accusés de trahison par les Britanniques. Maintenant, on les appelle des patriotes. Ce jour viendra pour nous aussi. Si Dieu le veut, dans 48 heures, vous évacuerez cette île sur des navires de guerre. Votre retraite sera garantie par des otages et des ogives de gaz VX. Votre destination, un pays sans pacte d'extradition. Chacun de vous touchera une solde d'$1 million pour service rendu. Mais vous n'aurez plus le droit de fouler le sol où vous êtes né. Vous le supporterez ? Oui, monsieur ! Chez les Marines, les forces spéciales de reconnaissance sont sélectionnées pour effectuer des missions illégales dans le monde. Lorsque ces hommes meurent, on fabrique des contes de fées destinés aux familles pour cacher la vérité et leur refuser toute indemnisation. Ces mensonges me restent en travers de la gorge depuis bien trop longtemps. Fini les mensonges, maintenant je dis stop! Que Dieu soit avec vous. Rejoignez vos postes de combat.